Salut tout le monde, c'était juste pour vous dire, avant de visionner mes vidéos, mes prochaines vidéos, vidéo s'adresse principalement aux nouveaux arrivants sur la chaîne. C'était juste pour vous dire que quand vous m'entendez, quand vous m'écoutez, que vous voyez que je bégaye énormément, c'est que je peux rien y faire, ça fait partie de moi. Je peux pas pour le moment, j'ai beau faire tous les efforts possibles avec un texte écrit que j'apprends ou quoi que ce soit. Je maîtrise mon sujet, hein. C'est juste que j'ai un petit défaut de concentration, que je bégaye, c'est naturellement, je ne peux pas changer ça. Du moins, j'essaie de faire un maximum pour bégayer un maximum, enfin pour bégayer un minimum de fois possible. Et surtout, quand vous entendez les E, c'est juste que c'est dû à mon défaut de concentration, c'est tout. Voilà. Merci de regarder la vidéo jusqu'au bout et force à vous. Merci du soutien que vous me donnez. Et prenez bien soin de vous. Bon visionnage. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler des deux versions de My Hero Academia 2 Strong SRO. La version globale, donc la version européenne, et la version chinoise. On va les comparer. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'il est impossible de les comparer, mais si. Je suis en compagnie de Fufu Sama, je mettrai sa chaîne en description dans les commentaires. De toute façon, c'est lui qui apparaît le plus souvent dans ma chaîne, vous le connaissez maintenant. Je vais laisser se présenter quand Coucou tout même. le monde. Bah écoute, hein, le bro Fufu, toujours avec Kaku pour faire plein de vidéos sur MHA en ce moment. Et franchement les gars, écoutez bien cette vidéo parce que je pense que ça va être très intéressant et ça va vous permettre de prendre un peu de recul sur le jeu parce que là ça va être assez important je pense. Surtout que cette vidéo, les amis, quand il dit qu'il faut la regarder avec concentration et jusqu'au bout, c'est parce que ça focus également les cash players, les amis. Et ce qu'on a vu, j'en ai déjà parlé sur une ancienne vidéo, mais très brièvement, vous allez voir que c'est une grosse, grosse douille cette version globale. La plus grosse douille que je n'ai jamais vue. Réellement. Tous les jeux gacha que j'ai joué, confondus tous les jeux, j'ai jamais pris une douille pareille entre deux versions différentes. J'ai jamais vu ça. Et pour vous dire, il a cash play, je suis prêt to play. Enfin. J'ai mis pas plus de 2 euros sur un compte, mais au total j'ai dû mettre 15 euros. Mais pas plus. 15 euros en comptant 6 ou 7 comptes. Hein. Lui c'est un cash player, t'as mis combien? 80, c'est ça? Un petit peu plus. Ouais, je suis à peu près dans les 80, ouais, c'est ça. Ok, on va 80 comparer. euros et... 80 euros. Ok, on va comparer. On J'ai a envie de me fait. flinguer. Il a envie. Ah, pour vous dire à quel point il est dégoûté. Et pour vous dire que là, il est en train de rire, c'est même pas un rire. Genre, il est heureux. Il a envie de chialer. Hein. On a converti les amis, on a converti les packs qu'on a ici. Alors, c'est où déjà? Juste avant, je vois qu'on a un petit clignotant sur la boîte aux lettres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on Allez-y, récupère? regardez les gars, faites des rerolls, allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Oh, d'accord. Ok. Premièrement, on va changer de serveur. Alors, déconnexion. On va aller Là, sur ce un nouveau serveur. serveur. Vous allez voir à quel point on se fait douiller. Quel serveur j'ai pris déjà? Je n'ai pas encore reroll dessus, je crois lui. Et vous allez voir à quel point juste sur ça, on se fait douiller. Du coup, on est sur un compte a priori que je n'ai pas encore ouvert. Ok, on a encore toutes les récompenses. Ok, Ah, ça on c'est pas mal. commence avec 1860 points de stamina, 10 000 euros coins, deux sacs d'or de 10 000 50. hero coins, les gars, 10 000. C'est pas tout. 26 cartes d'invocation, enfin 26 tickets d'invocation sur le portail premium, 43 tickets sur le portail spécifique des cartes actives de personnages. Et 29 tickets sur le carte premier sur le portail premium de tickets de enfin le taille de tickets premium, excusez-moi, je me suis perdu. Et après on Trop de a, tickets. ouais, il y a trop de tickets, c'est ça. Dites-vous que ça c'est l'accumulation des cadeaux qu'on a eu au fil de ces 5 derniers mois. Maintenant, si on fait ça
chaque semaine, on a environ 1000 à 1500 en se connectant tous les jours avec tous les events qu'on a. 1000 à 1500 par semaine en dehors du PVP auto et de ce qu'on farm pour up, pour faire ci ou pour faire ça, pour les quêtes quotidiennes et tout. En dehors de ça, juste les événements hebdomadaires, on est aux alentours de 1500 par semaine. Ok, on enlève ça. On va passer au pack. Et bim bam boum, voici la plus grosse douille pour les free to play, pour les cash players. J'ai envie de chialer. C'est d'où on avait vu? Oh putain, c'est les... Ah c'est bon, à côté, j'ai trouvé. Ouais, t'as trouvé. C'est bon. Les gars, vous avez 20 tickets de portail limité avec un de jetons stade. Ne dis pas le prix, ne dis pas le prix. Ah non mais... Ne dis pas le prix. Sachant que la pitié elle est toujours à 60, ça bouge pas, hein. Attention. Ok, ok, le seul point positif, c'est que le taux drop il est à 0,6%. Concernant les différents packs... 0,6% pour 6 multi, m'en fous moi. Ah moi aussi je m'en fous, réellement je m'en fous. On va pas parler que de ça. Vous voyez les 20 tickets qu'on a sur le pack, là ici, que le pack équivaut à 5000 Hero Coins. Dites-vous que ça c'est la monnaie chinoise. On a fait la reconversion en euros. Je te laisse annoncer la reconversion, s'il te plaît. Il me semble que c'est un peu moins de 15 balles. 15 je sais pas balles si vous vous rendez compte. Pour 2 multis. Pour 2 multis, sachant que la pitié est à 6. Donc déjà, il vous reste plus que 3 multis à farmer. Okay. Et avec tout ce qu'on vous donne, c'est... Okay. Maintenant... Et sachant que c'est pas le seul pack, hein, t'en as un autre, il est à peu près pareil. Avec et au lieu d'être à 15, tirets, voilà. Avec 35 tickets. Pour une valeur totale du pack qui s'élève à 8800 Eurocoin, mais c'est quand même 3 multi qui revient à environ à un peu moins de 45 euros. 3 multi et demi pour 45 euros. Ok. On va oublier maintenant tout ce que vous voyez ici là. Tout ce que vous voyez là. Dites-vous que tout ce que vous voyez ici, ben en fait, sur la version chinoise, premièrement, sur la version globale, ce sont des packs permanent qu'on peut acheter qu'une seule fois. Ici, ben, ça se remet à zéro. Ça, c'est le premier point négatif. Deuxième point négatif, on est ici. On a fait la reconversion. Le pack que vous voyez à 110 euros sur la version chinoise, sur la version globale, 5000 euros coin, x 2, ben ici, vous allez rigoler, il a 95 euros pour 6500 Eurocoin, fois 2. L'autre, on en a pour quoi ? 6000 fois 2, donc on a 12000. Là, on a 6580, qui équivaut à 11160. Donc, on a 1160 Eurocoin supplémentaires sur le pack à 95 euros. On n'a pas ce supplément-là sur la version globale. Maintenant, on va parler en termes de stamina. Vous vous rendez pas compte, mais on a eu à peine 300 points de stamina comme cadeau sur la version globale. La première semaine, si je m'en rappelle bien, nous avait donné entre 300 et 500. Plus des cadeaux supplémentaires où on pouvait invoquer, où on pouvait... recharger notre stamina via des points, via de la bouffe. Ok. Maintenant, on va passer au recrutement. Vous voyez quoi ? Pitié à 60. J'ai 3 multi à faire. On va les faire. Oui, je t'invoque sur Stein encore ? Ouais. Non, mais là, je pense que là, c'est juste pour la vidéo. Vas-y. Vous connaissez déjà le système d'invocation. Quand vous voyez un petit clignotant en or ou en jaune, c'est que c'est soit le perso de la bannière, soit l'un des persos du portail premium. Ça, vous n'avez pas... Vous n'avez pas besoin qu'on vous débriefe sur ça. Une étoile. Ok, Tsuyu. Après, on va parler des événements.
Les événements qu'on a, les amis. Alors là, les événements qu'on a sur la globale, sur la chinoise. Je sais pas quoi faire. Je vais faire ça. Ok, j'ai rien eu. Ok. Bon, ça, on s'en fout. Limite. À la limite, ça, on s'en fout. Pas ce portail-là qui nous impressionne, quoi. Maintenant, on va invoquer. On va faire juste deux multi ici. Piki à 60 encore. On va faire le visage de Stein. On va essayer plutôt. Là, on a un petit tail. Bon, j'ai rien eu. On refait une dernière multi et après, on va passer un peu aux événements. À l'heure actuelle, on a un événement sur la version globale. C'est l'event de Bakugo. Moi, je n'ai encore rien eu. Et réellement, comment dire, c'est une énorme douille. Hein. C'est une énorme. Elle est magnifique cette douille. Hein. En fait, le problème, c'est que les récompenses, elles sont pas ouf, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que les récompenses sont pas ouf. Du coup, on va basculer. On va basculer sur les événements ici. Alors, où sont les événements? J'ai complètement oublié où ils étaient les événements. Ouais, pour qu'on bascule sur un autre serveur, du coup. Ok, on est retourné sur mon compte secondaire principal où j'ai drop Stain. Du coup, les événements. Hein. Les événements. Super. Ok, du coup, les événements. Vas-y. Excusez-moi, petit appel de contretemps. Urgent, du coup c'est pas grave, on reprend. Les événements, ils sont ici. Ça c'est le premier événement. On complète le puzzle. Ça je crois qu'on avait des... on a sur le global, non? Le puzzle là, avec Ouais, Tiga. on a le puzzle. Ok, on a Bakugan en deuxième. Enfin, sur la globale, on a Bakugan en deuxième. Et ici, on a au total 4. Du coup, ici on gagne des pièces d'héros. Ici on gagne des pièces d'héros, des trucs, des ressources pour améliorer vos cartes, vos personnages et des tickets d'invocation. Ici on a le truc de l'événement. Et ici, voilà ce qu'on gagne. 100. 100 pièces d'héros. 3 tickets rush pour passer les quêtes secondaires. Et un ticket d'invocation sur les cartes premium. Si d'ici 2 semaines, on n'a pas ça sur la version globale, les amis, le jeu est complètement mort. Complètement mort. Au moins comme ça c'est dit. Et un dernier sujet que Fufu a relevé, je te laisse le dire vu que c'est toi qui l'as relevé. Ah oui, par rapport au ping. Oui, par rapport au ping. Ping, bien sûr. Alors, en vrai les gars, on est d'accord qu'on est dans l'écran, dans la ville, on se balade, ça va, t'as 50-60 ms, t'es content. Mais dès que tu fais de la coop, tu montes à 150-200 ms, c'est pareil en PVP. En vrai les gars, vous avez le même ping sur la chinoise au final. Donc, enfin, Oh, on je vois pas a. tant d'intérêt du coup au final de jouer sur la globale Vous... Parce là-dessus. qu'en sport, sur la chinoise, vous me voyez à 318 de ping. Hein. Dites-vous que j'ai changé ma connexion. J'ai pris un débit plus fort. J'ai pris un forfait plus fort avec un amplificateur Wi-Fi. Je tourne sur la globale entre 150 à 250. Parfois, je monte même à 400. Sur Et même la si... chinoise, je suis constamment à 315. Je préfère largement être. Constamment à 315 sans avoir des frises à droite à gauche ou des déconnexions que être sur une globale où il y a je sais pas quoi qui nous bloque ou bref, tu comptais dire quoi pour finir la vidéo? Non, j'ai un peu oublié dans le saut, mais c'est pas grave, vas-y. Ah, dommage, ben du coup, ben voilà, C'était beau. c'était beau, hein.
Vous me voyez avec. C'était. Ouais. Vous me voyez quand même avec 1500 trucs. Je n'ai même pas terminé. Hein. Et pourtant, je joue énormément. J'ai passé 5 heures sur le live de 10 heures sur ce jeu. Dites-vous. Dites-vous la dinguerie. J'ai encore de la monnaie, j'ai encore de la stamina. J'ai même pas encore farm tous les portails. Enfin, tous les chapitres, toute l'histoire. J'ai encore beaucoup d'hero coins à récupérer. Et je suis sur le serveur 3 pour ceux qui veulent savoir. Avec Fufu, on a décidé d'aller sur le serveur 3 au cas où si sur la version globale, toutes ces erreurs ne sont pas réglées. J'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Je mettrai le lien de la chaîne du frérot Fufu dans la description Merci. et en commentaire. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.